is what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is a party. N'appelez pas, n'appelez pas. Côté plus positif que d'autres, donc il y a eu des moments marquants dans un sens comme dans l'autre. Si j'ai envie de retenir les plus positifs, le moment marquant est naturellement l'épopée Coupe de France et ce quart de finale de Coupe de France associé à la montée en CFA. Donc c'est effectivement un souvenir qui restera gravé à tout jamais dans toutes les mémoires. Evans qui se lève dans la surface, qui frappe et qui marque. But de Schultigheim, but de Gary Pavas, c'est incroyable. But de Schultigheim, après 2 minutes de jeu, ici au Stade de l'Or, ça ne pouvait pas mieux démarrer. But incroyable de Schultigheim, un but de Fabien Weber venu d'ailleurs. Fabien Weber vient de frapper de 40 mètres pour le javelot dans la lucarne de Jérémy Moreau. C'est un but extraordinaire que vient de marquer le capitaine de Schultigheim, Fabien Weber. Compagne qui cherche à frapper, qui va s'appuyer maintenant sur le marchand. Oh, c'est but de le marchand, c'est le troisième but, un tir de 20 mètres de Stéphane le marchand, le poteau, et ça rentre. Il y a des faits marquants aussi un peu plus négatifs. Hein. C'est la manière dont le club a souffert quelques années après, et avec notre descente d'abord de CFA2 en CFA, de CFA en CFA2, pardon. Et ensuite surtout un peu plus de l'extérieur, parce que je n'étais plus là cette année-là, mais cette descente de CFA2 en DH où le club a beaucoup souffert. Donc quand on a été tout en haut de l'affiche, ça fait toujours mal au cœur de voir que le club va un peu moins bien. Heureusement qu'aujourd'hui, voilà, les choses ont repris dans le bon sens. Et puis je pense qu'on est reparti surtout pour peut-être revivre, non pas un quart de finale, mais j'espère une montée en CFA très vite. Ah ouais, j'ai dit au calme, je suis pas sûr. Oui, donc Régis Kaminski, donc responsable de l'école de foot du Sporting. Donc, je suis en charge de cette école de foot depuis 6 ans. Nous avons à peu près 180 licenciés répartis sur les catégories pitch jusqu'au 13 d'excellence. Donc, je suis en charge d'une équipe d'éducateurs sérieux, compétents, que j'ai choisi depuis quelques années. On a la chance d'avoir des éducateurs qui sont fidèles. And we did it all way, chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Responsable des installations sportives du club du Sporting Club de Schultigheim, Eric. Nous sommes ici donc sur le stade de l'Art, sur le terrain d'honneur. Donc c'est le terrain qu'on entretient le plus souvent. On fait en période normale 3 tontes par semaine. La première tonte avec ramassage pour éviter justement d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, de l'herbe morte, pour éviter que le gazon puisse respirer. Ensuite on fait également des interventions d'aération, sablage, on enlève les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on le fait quasiment presque au couteau parce que les produits sont presque interdits maintenant. Donc voilà, c'est un entretien classique d'un terrain. Mais c'est vrai que c'est surtout la tonte qui permet d'avoir un terrain et l'engrais qui permet d'avoir un terrain en très bon état. Le sport en général est souvent le dernier rempart car un formidable moteur d'intégration républicaine. Il porte des valeurs indispensables à la cohésion sociale, le respect des règles et de l'autre. Celui qui encadre ou regarde le dépassement de soi, le goût de la réussite individuelle ou collective. Le Sporting est un premier acteur social de Schultigheim et de l'Eurométropole. Presque 600 licenciés
de toute origine, de tout territoire, qui ont pour passion l'amour du maillot. This the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Voici les jeunes SAE du club. Donc Anthony Meyer, gardien de but. Lucas Ivanez, attaquant. Julien Hagenstein, numéro 10, et Loris Serassi, milieu de terrain, et moi-même ici présent, Jimmy Metz. Voilà, c'est l'équipe de tournage de ce clip, et merci à tous de nous avoir regardés.